Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, ce canapé a déjà bien vécu. Le cuir est usé, craquelé et décoloré. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la rénovation d'un canapé cuir 3 places, point par point. La première étape de la rénovation consiste à légèrement poncer l'ensemble du cuir avec du papier de verre. Utilisé du grain 240, cette étape a pour but de casser le vernis d'origine. L'étape suivante consistera à nettoyer et dégraisser le cuir à l'acétone. Utilisez un chiffon imbibé et passez-le sur l'ensemble des cuirs de votre canapé. Maintenant que notre surface est propre, elle est prête à recevoir la première couche de notre recolorant pigmentaire. Mélangez bien votre bidon de peinture car les pigments ont tendance à se déposer dans le fond et à s'y accrocher. Pour appliquer notre recolorant, vous pouvez utiliser un rouleau en mousse ou bien un pinceau ou également un pistolet à peinture si vous êtes équipé. Appliquez 2 à 3 couches de recolorant en respectant bien les temps de séchage, une heure entre les couches. Quatre heures après la dernière couche de couleur, il faudra appliquer un vernis. Son rôle est de protéger la fleur du cuir et la recoloration contre les frottements. Cette étape est indispensable. Appliquez-le à l'aide d'une éponge humide en fine couche. Il est conseillé d'appliquer au moins 3 couches de vernis pour assurer une protection optimale, surtout si vous avez des animaux ou des enfants. Pour la dernière étape, appliquez simplement l'huile de nourriture un mois après la restauration. Elle permettra d'hydrater le cuir et de lui redonner toute sa souplesse et sa solidité. Voilà, nous avons fini la restauration. À bientôt dans une prochaine vidéo.